on les rend obligatoires. Il y a l'être extrêmement facile. Je m'appelle Jeanne Maximus. Vous pouvez appeler l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Dans la tête de l'homme, il n'y a pas une avancée et des informés dans le monde. Écoutez, vous avez un bruit de fond qui montre qu'il y a une excellente ambiance ce soir au Fort d'Aubervilliers. Nous avons beaucoup de d'amis, de professionnels qui sont venus à cette soirée des 40 ans de l'AFDU, une association qui existe depuis 40 ans. Ce qu'on retrouve, c'est l'envie partagée de tout le monde de discuter, d'échanger à la fois sur les pratiques artistiques, parce que c'est aussi l'animation de ce soir, mais surtout à travers les métiers, je vois tous les professionnels qui échangent entre eux, qui se racontent leurs projets, qui se racontent la manière peut-être de travailler ensemble aussi sur des futurs projets. Donc c'est le rôle de l'AFDU de travailler à la ville de demain, à la ville de la transition écologique et à la ville qui s'adapte aux changements de tous les jours dans toutes les villes.